Tu me connais, tu me connais, et cela me suffit. Tu me connais, tu me connais, et cela me suffit. Tu me connais, tu me connais, et tu me connais, tu me connais, et cela me suffit. Oh, tu me connais, oh, tu me connais, et cela me suffit. Tu m'as aimé le premier et tu m'as appelé à te servir et à faire ton plaisir. Et cela, oui, cela, oui, cela me suffit. Tu m'as aimé, et tu m'as appelé à te servir, ah, et à faire ton plaisir. Et cela, oui, cela me suffit. Hello la famille. Wow, it's been a so long, long time. Ça fait tellement longtemps. Mais je suis si content de vous présenter cet album aujourd'hui qui, encore une fois, est une expérience pour moi. Je suis vraiment dans la joie. C'est vrai, ça fait longtemps, mais honnêtement, ce qui me rend le plus heureux, tu vois, c'est pas forcément le fait de sortir l'album. C'est le fait de savoir que... Dieu a parlé. Ah, Dieu a parlé. Tu sais, il existe une dimension de plaisir où ton plaisir ne vient pas du fait d'avoir accompli une chose, mais ton plaisir vient du fait de l'avoir entendu te parler. Je saurais pas te mettre les mots dessus, mais pour faire simple, honnêtement, je te garantis pas que cet album sera le meilleur album que tu as écouté, parce que c'est pas vrai. Il y a mieux musicalement, il y a des meilleurs artistes. Mais je te rassure quand même, ce ne sera pas l'album le plus à parfaire que tu auras écouté en tout cas. Parce qu'on a quand même travaillé, on a quand même fourni du boulot. Alors en somme, ce que je peux juste te dire, c'est qu'il ne sera ni bon ni mauvais. Et ce que je peux te garantir, c'est que Dieu est dedans, frère. Ah, Dieu est trop dedans. Et... dès lors que Dieu est dedans, tu vois, ça commence par moi. Ce n'est même plus une question de popularité, ça n'a rien à voir. Ça devient une question de responsabilité. Dès que Dieu est dans une affaire, tu ne peux plus retenir la vérité captive. Tu dois la libérer. Et ça commence par moi. Et donc j'ai fait ma part en éditant cet album. Maintenant, à toi de faire ta part en le partageant à un plus grand nombre. Et puis tu sais, Dieu ne fait pas de favoritisme. Toi aussi, tu as un appel. Il y a un couloir dans lequel Dieu t'attend. Il y a des personnes qui sont nées à cette époque parce que Dieu savait qu'à cette même époque, tu serais là. Alors ce que Dieu t'a demandé de faire, que ce soit populaire ou pas, fais-le de tout ton cœur. Car ça ne sert à rien de chercher à aller loin avec Dieu si ce n'est pas pour rendre Dieu proche des autres. Et c'est de ça qu'il s'agit dans 633, le Brave Album, l'album brave. Alors maintenant, si tu es prêt, que ton règne vienne maintenant. Yeah.
Hi family, it's your boy Wright. Je m'adresse à ma communauté worldwide. Si un jour le malheur vient à prendre place, quoi qu'il se passe, n'oublie jamais frère de rendre grâce. Ne reste pas dans les plaintes jusqu'à épuisement, car en Christ on a l'être, on a le mouvement. Vas-y doucement, si tu veux mais bouge-toi, mais quitte les complaintes et veille sur ta bouche. Car j'ai vu des frères tomber, des hommes sages à terre, des chrétiens fiers d'être capricornes ou sagittaires. J'ai vu des frères sincères, haïssant le vice, et parlant de Dieu le Père en reniant le Fils. Puis j'ai considéré tous ces détails, mes propres luttes, mes propres chutes et toutes mes failles. Et si malgré ça je suis toujours en place, c'est la preuve qu'en fait c'est juste sa grâce. Yeah. Ni force, ni dans ma puissance, ni dans l'assistance du Saint-Esprit. Si je suis si le je suis debout, si je vis encore, c'est seulement sa grâce. Son amour et de sa grâce, je suis le fruit. C'est par Christ que je vis aujourd'hui. Parfois les hommes m'acclament, mais toujours plus fort je le clame. Je ne tiendrai pas debout sans lui. Seul le Saint-Esprit est mon appui. Si souvent je suis tombée, mais sa main m'a relevée. J'étais complètement brisée, mais il ne m'a pas abandonnée. C'est sa grâce qui m'a gardée, c'est sa grâce qui m'a sauvée. Si je vis aujourd'hui, c'est par sa grâce. Family, it's your boy Wright. Assure-toi que dans ton cœur tout est alright. Sois dans l'humilité, avance mais reste pieux. Et quand tu brilles, souviens-toi que Jésus reste Dieu. Car ta lumière vient du fait qu'il ait pris ta place. Personne ne serait debout ni t'était sa grâce. Car beaucoup d'appelés ont été emportés. Et pourtant tous au départ se croyaient hors de portée. Croire en Dieu n'a rien à voir avec la réflexion. Jean 6, 44, il t'a attiré. Il a payé le prix fort pour ta rédemption. Et pourtant le souffle de vie ne t'est pas facturé. L'époux est ressuscité, non tu n'es pas veuve. Fais la diff, rends grâce même dans l'épreuve. Car si malgré ça t'es toujours en place, c'est la preuve qu'en fait c'est juste sa grâce. Yeah. Peu importe mes efforts, je compte sur ta grâce. Je n'ai aucun mérite, mais je n'ai que ta grâce. Yeah. Mes victoires, je te les dois. C'est seulement ta grâce. Oh, c'est seulement ta grâce. Oh, je l'ai que je l'ai. C'est ta grâce. C'est sur quoi je m'appuie chaque jour. Je n'ai que ta grâce. C'est seulement ta grâce. C'est seulement ta grâce. Seulement ta grâce. Ta puissance. Ton assistance.
tort, c'est le commencement. Oui, le chemin qui mène au ciel est comme un jeu d'enfant. Donc reste humble, ne cherche pas la gloire des hommes d'ici, mais paie le prix et porte ta croix chaque jour en bon disciple. Je dis pas de ne pas voir grand ou de ne pas rêver, mais à force de vouloir percer, on finit par crever. Donc comment faire pour ne pas céder à la tentation? Assure-toi que ta motivation soit la compassion. Quant à ton âme, qu'importe le contrat, ne la vend jamais. Pour ça, il faut aimer le cœur de Dieu avant sa main. Ils disent que je raconte des sottises lorsque je suis ivre de Dieu, parce que j'ai pas leur gueule de bois, mais j'ai la langue de feu. Et si Adam a rendu payant le pass sanitaire, Dieu t'a offert il y a 2000 ans le pass salutaire. Son nom c'est J-E-S-U-S, victime expiatoire. Un accès gratuit à sa droite sans voir le purgatoire. C'est ce que m'a dit la voix. Parce que je parle avec mon cœur, parce que je refuse de traîner chez les failles, les moqueurs, parce que je veux que ma vie soit comme un parfum de bonne odeur, à la gloire de Christ par l'esprit à qui je rends honneur. Parce qu'au lieu d'écouter la voix des ragots, des critiques, je choisis d'écouter le dernier album de Big T. Parce que je n'ai pas peur de dire je t'aime à mon prochain, parce que m'humilier ou diminuer pour moi c'est pas trop cher. Regarde, t'as voulu percer, t'as pris le mic trop tôt. Maintenant y'a comme un gouffre entre tes actes et tes propos. Tout ce qu'il te reste, c'est tous ces likes sur tes photos qui t'ont rendu esclave de ton image et des follows. Worse, garde bien ton cœur, car tic-tac, l'heure vient où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, pur sans l'avoir mérité. C'est ça que tu dois méditer à chaque fois que tu vas militer. Oh. Bonsoir à tous, je m'appelle Yann et voici mon histoire. Je suis né à l'aube d'un certain 13 octobre en Côte d'Ivoire. Asthmatique dès le départ, la moindre crise me tue. Mais grâce à Dieu et à la foi de ma mère, j'ai survécu. J'ai quitté ma Côte d'Ivoire au terme de mon enfance. J'ai atterri le 10 juin 2001 en France. L'objectif était d'être basketteur professionnel, mais je ne savais pas que sur ma vie, l'appel de Dieu sommeillait. Les réalités de la France m'ont vite rattrapé. Le manque d'argent et de nourriture m'ont souvent matraqué. Cinquième étage, j'ai failli passer de l'autre côté des mortels. Et heureusement que mon grand frère Guillaume était mon modèle. Alors en voulant l'imiter, un soir j'ai pris son synthé. J'ai commencé à m'exprimer en faisant du rap en indé. Et là j'ai découvert la grâce que j'avais pour l'écriture, sans me douter que grâce à cela Dieu bâtirait mon futur. Il a fait le plus dur. À chaque fois que j'avais le mic, ils me trouvaient tous uniques. Pour eux, c'était sûr que j'allais percer en faisant de la musique. À chaque texte ou freestyle, ils étaient tous épatés. Mais c'était Dieu qui faisait en sorte qu'on voit sa gloire éclater. Et puis il y a eu cette séparation qui m'a fait craquer. J'ai été fidèle et sincère et pourtant elle m'a plaqué. Le jeune Yann a craqué. Oh, j'ai été touché. Dès lors j'ai renoncé au love, j'ai commencé à coucher. Le péché a rempli mon cœur et l'a mortifié. Je passais des plans à l'hôtel à ceux des prostituées. J'avais l'air vif à l'extérieur, loin de moi le mal-être. Mais au-dedans j'étais si vide, mais il fallait paraître. Frère, au fond de moi j'étais si malheureux. Je croyais que me conformer au monde ne me rendait pas heureux.
J'avais cette apparence cynique avec un cœur de pieux. Un peu comme si ce vide en moi avait la forme de Dieu. Aimer une personne comme moi aurait pu traumatiser. Et pourtant, depuis le ciel, Dieu m'avait localisé. Devant le péché, j'avais jamais su changer d'avis. Mais ce jour-là, un simple je t'aime a pu changer ma vie. Et pourtant, j'étais loin de la vérité. Pourtant, j'étais loin de la vérité. Pourtant, il m'a choisi. Il m'a choisi. Il a fait moi l'héritier. Il est venu me délivrer. Malgré mes fautes et mon pédigré. Il m'a choisi. Le Fils m'a choisi. Je suis pas exempt de toute faute, j'ai commis des erreurs. Et pourtant, pour moi, le Père a donné le meilleur. Malgré nos péchés immondes et le poids de nos vices, le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et j'ai pas honte de qui j'étais à cause de qui je suis. Car Dieu le Fils m'a rendu libre depuis que c'est lui que je suis. Et si je vis, c'est pour sa gloire, car sans lui c'est zéro. Et si je meurs, c'est pour la foi et je partirai en héros. Peu importe ton passé, tout ce que t'as cassé ou casqué, son amour pour toi est prêt à t'enlacer. À Golgotha, où Dieu le Fils a fait le plus dur. Quand l'ennemi prône ton passé, rappelle-lui son futur. Te laisse pas faire, mon frère, ma sœur, détrompe-toi. Dieu n'est pas insensé, Dieu ne se trompe pas. Mais qu'est-ce tu crois? On ne donne que ce que l'on reçoit. Et si Dieu a voulu de toi, c'est que pour sa gloire tu es le bon choix. Oui sœur, pour sa gloire tu es le bon choix. Oui frère, pour sa gloire tu es le bon choix. Même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois, c'est cloué à la croix, les bras ouverts qu'il te reçoit. Oui mère, pour sa gloire tu es le bon choix. Cher père, pour sa gloire tu es le bon choix. Même si chaque jour t'as l'impression que tu le déçois, pour lui tu es le bon choix. Oui tu es le bon choix. Sache-le, sache-le, loin de la vérité. Yeah. Fais-moi aimer ce que tu aimes, haïr ce que tu es. Que mon témoignage n'ait jamais de quoi salir qui tu es. C'est le désir de mon cœur, le soupir de mon âme. Être l'image et la ressemblance du Fils de l'homme. Que le Christ seul soit pleinement formé à l'intérieur. Je suis prêt à perdre le pire afin de gagner le meilleur, à savoir Christ le Seigneur, à qui ma vie appartient. À cause de ma foi, on me prend souvent pour un martien, mais j'assume ces réflexions. Et parce que je suis non conforme au monde, je prends des cartons rouges et c'est l'éjection. Voir des tacles à la gorge leur fait honneur, mais moi ils m'aiment pas parce que j'ai taclé dans leur cœur. Car je ne cherche pas à mettre tout le monde d'accord. Mon but c'est de glorifier le Fils de Dieu d'abord. Si la parole est son miroir, je dois être son reflet afin qu'elle fasse son effet. J'ai mes sista et mes refrains. À ses côtés tu as frôlé le sol jusqu'à brûler tes ailes parce que tu n'as pas obéi. En t'éloignant du ciel, tu as perdu son onction, sa direction. Reconnais que tu as failli. Laisse le monde. Come back à la maison. Laisse le monde. Come back à la maison. Laisse le monde. Car excellente est la saison. Come back à la maison. Yo, j'ai commis des erreurs, mais je ne panique pas. Car si je lutte avec le vice, une chose est sûre, c'est que je ne le pratique pas. Parce que je suis mort face au péché, mais vivant pour le prêcher.
Hier j'étais desséché, mais quand la couronne tressée d'épines lui perce à la tête, ma teuté à moi s'est redressée. Et chaque fois qu'on m'a blessé, l'amour de Dieu m'a pressé. J'aime quand on m'apprécie, mais pour le royaume des cieux, je suis prêt à perdre vos clameurs pour honorer le sang précieux. Car je n'ai plus rien à perdre, si ce n'est la vie du diable. Tout ce que j'ai à gagner avec Christ vaut tous vos diams, votre buzz, vos thunes, votre popularité à double tranchant. Un seul sera mon penchant, Jésus-Christ et son sang, par lequel il racheta l'humanité entière, ainsi que tous les morts dans la foi que cette humanité enterre. Et je me sens gêné parfois quand un croyant se tape la poitrine, car vanter ses mérites c'est comme trahir la céleste à ses patrie. Côtés, tu as frôlé le sol, brûlé tes ailes parce que tu n'as pas obéi. En t'éloignant du ciel, tu as perdu son onction, sa direction. Reconnais que tu as failli. Comme Mac à la maison, comme Mac à la maison, car excellente est la saison. Comme Mac à la maison. Oh, reste simple, garde ton cœur et prie, car à la table des rois, tu seras au premier rang. Mais n'oublie jamais qu'être humble, c'est pas se faire petit, mais c'est être conscient tout temps que le Père est le plus grand. Parler de sa foi sans œuvre n'a aucun sens. L'onction sans le caractère va faire de toi un monstre. Ça tout le monde l'entend mais peu agisse et ça me fatigue. Prêche ce que tu vis, enseigne ce que tu pratiques. Yo, tu dis pouvoir enlever la paille de mon œil coûte que coûte. Laisse ma paille tranquille, occupe-toi de ta poutre. Tu veux gagner une âme, faut être gagné soi-même. Observe Christ, c'est lui le prototype, vas-y sois le même. Et que ton zèle soit plein de sagesse tout en restant pudique. Que ton amour pour Dieu soit plus grand en privé qu'en public. Accroche-toi à sa parole et donne le meilleur de toi. Et prends plaisir à voir les autres devenir meilleurs que toi. Car ceux qui ont cru en son nom feront les mêmes œuvres que lui. Et ils en feront de plus grandes qu'il fasse jour ou spirituellement nuit. Et parce que sa sagesse est illimitée, bro, si le savoir est une arme, la connaissance de Dieu c'est l'immunité. À ses côtés tu as frôlé le sol, brûlé tes ailes parce que tu n'as pas obéi. En t'éloignant du ciel, tu as perdu ton onction, ta direction. Reconnais que tu as failli. Les acclames, mais c'est le sacrifice qui transforme un homme faible en homme fort. Comment faire? Viens, Christ, il va te transformer. Viens, Dieu le Fils, il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey, ils n'ont pas fini de connaître la terre et les profondeurs de la mer. Et pourtant ils prétendent connaître Dieu, alors que Dieu tient dans sa main l'univers. Que choisis-tu entre la croyance et la descendance du singe? S'ils ont validé la voyance, en tout cas nous on a validé celui qui nous a transformés. Jésus Dieu le Fils nous a transformés. Si t'as jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé,
va te transformer. Si t'as besoin d'aide, il peut te conseiller. Et si t'as de la peine, il peut te consoler. Ego jusqu'à quand tu vas te conformer. Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Pose ton fardeau à ses pieds et viens à Dieu le Fils. Il va te sauver et la moisson est grandiose. Mais y'a peu d'ouvriers et sois d'abord passionné. De voir des âmes sauvées, c'est ça son fardeau. Fardeau, fardeau, sois d'abord passionné avant d'être pasteur et ça son fardeau, oh, oh, son fardeau, oh, mais y'a pas d'ouvrier, toi sois l'ouvrier. C'est ça son fardeau, 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 sois d'abord passionné de voir des âmes sauvées. C'est comment? Yo, mon MD. Good bro, je voulais te parler d'un truc. Tu sais, je suis en train de travailler sur 633 là. Ouais. En fait, je réécoutais les notes que j'avais faites au piano là après les avoir reçues. Mmh. Et bro, ça recommence. Il y a un titre. Quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai commencé à entendre une direction qui est vraiment délicate, frère. Toi-même, tu sais, on a plusieurs fois, je pense qu'on m'a parlé plusieurs fois, tu vois. En plus, c'est toi qui m'as appris ce genre de choses. C'est ce que t'entends. Surtout quand le Saint-Esprit te parle, fais ce que t'entends, tu vois. Donc, je sais pas exactement où le Saint-Esprit veut t'emmener par rapport à ce morceau ou par rapport à ce que t'es en train d'entendre. Mais il faut y aller, frérot. Et si je devais le faire avec toi, tu serais là? Avec moi? Ça fait 10 ans que j'attends ça, frérot. Je suis là, je suis ton gars. Vas-y, let's go, ma main big. Yeah, Père, enlève-moi. Oui, enseigne-moi, je m'associe à mon frérot Big T. Délivre-moi de moi, y'a tant de choses qui t'écœurent. Ne me laisse pas les faire, ne me laisse pas dire ce qu'ils veulent entendre. Ne me laisse pas leur plaire, car j'ai vu beaucoup d'appelés finir dans la rouille et la teigne. J'ai vu comment des likes et puis des j'aime ont corrompu des frères et sœurs intègres. Y'a même plus d'autorité. On ne paye plus le prix pour le salut des âmes, mais pour le salut de notre notoriété. Père, accorde-nous la grâce de t'aimer, de cet amour qui consiste à garder la parole que le Christ a prêchée. Et sors-nous de tous ces vices qui opèrent. Accorde-nous la grâce de devenir de loyaux et fidèles fils pour nos pères. Et abat les pensées indépendantistes, car la liberté consiste à devenir esclave de Christ. Ça veut dire esclave de la vérité, ou homme insignifiant co-héritier sans l'avoir mérité. Rah! Yeah. Paul plante, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître la semence de sa prose.
Et si la graine ne meurt pas, elle porte pas de fruits. Si le prédicateur ne porte pas sa croix, il fait du bruit. C'est pas une question de compétence ou même de niveau. Être intègre, c'est être le même derrière et devant le rideau. L'esprit est disposé, la chair est faible d'après la lettre. Justement, c'est parce qu'elle est faible que tu peux et tu dois la soumettre. Marche par la foi et non pas par l'air du temps. Fais en sorte que ce que tu sais de Dieu soit au-dessus de ce que tu ressens. Tu veux le réveil ? Réveille-toi d'abord, c'est le pense bête. Car on prêche ce qu'on sait, mais c'est ce qu'on est qu'on transmet. Et sache que le réveil, c'est pas les miracles et les signes, mais c'est d'abord le retour du cœur de tous les hommes vers le Christ. Ça veut dire prêt pour son avènement, ou qualifié pour monter vers Jésus lors de l'enlèvement. Il y a peut-être un manque de compréhension. Le but n'est pas de faire carrière, mais d'accomplir la mission. Mais Seigneur, où va-t-on ? Je vois des prédicateurs prêcher l'amour en étant prisonnier du manque de pardon. La tête entre les deux mains quand je vois ma génération. L'église est remplie d'êtres humains qui ne veulent pas vivre leur foi à fond. Les intérêts de Dieu sont loin d'être notre préoccupation. Et quand on prie bien, c'est juste pour satisfaire nos passions. J'en ai marre de faire semblant, je dois faire preuve de transparence. Le big tic que vous voyez est tellement rempli de carences. Y'a tellement de choses qui m'ont affecté. J'ai dû m'absenter des réseaux pour rester connecté. Je dois crucifier ma chair pour ne pas qu'elle me malmène. Il n'y a pas de résurrection si je ne meurs pas à moi-même. Pour aimer Dieu, pas besoin d'être un pasteur. Rien à faire du titre. L'objectif ultime, c'est d'atteindre la stature parfaite du Christ. Avant d'être un modèle, Seigneur, emmène-moi sur l'autel. Hein? Car les prix Nobel, Seigneur, Dieu se remporte sur l'autel. C'est là où les vraies choses se passent. Yeah. S'il y avait un moment, ce moment c'est maintenant. C'est maintenant. Si tu dois vivre pour, n'attends pas demain. Tu dois le faire maintenant. N'attends pas demain. Le lendemain ne t'est pas garanti, non. Tu dois le faire maintenant. Avant la fin d'ici quelques minutes, il m'a dit tout à l'heure, je vais oindre ceux dont le cœur est tourné vers moi. C'est pas tout le monde. Je te préviens. Si c'est pour dire, ah, je vais prophétiser, les ré-bé-bé, c'est pas pour toi. Et il a dit, il y a quelqu'un dont le cœur boue, dont le cœur désire obéir. Mais tu ne sais pas comment on fait pour obéir. Tu as envie de parler. Tu as envie de parler de Christ sans complexe, sans gêne. Mais tu as peur. C'est pour toi qu'il vient. C'est pour toi qu'il en veut venir. Tu as envie de parler de Jésus, mais tu sens que tu as un peu peur de ce qu'on va dire, etc. Est-ce que je peux continuer? Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant sa parole par les signes et par les miracles qui l'accompagnaient. Parfois, les miracles ne viennent pas tout de suite, mais les miracles viennent alors que tu apprends à honorer le Saint-Esprit, à glorifier Jésus-Christ.
pas pour ta popularité, mais pour celle de Jésus-Christ. Oh, tous les jours je rêve de voir des âmes sauvées. Mais parler de sa part, en vrai j'ai jamais osé. Parce que j'ai trop honte de le faire quand je suis bien disposé. J'aimerais tellement mais j'ai peur d'oser. Seigneur aide-moi à passer au-dessus de ça. Dépouiller l'au-delà, ramener les âmes à toi. Jésus le roi des rois. Tous les jours je rêve de voir les âmes sauvées. Seigneur aide-moi à le faire car j'ai jamais osé. J'ai jamais osé parler de ta part. J'ai jamais assumé publiquement que tu m'avais mis à part. Et pourtant j'aimerais tellement faire ma part. Je suis disposé au fond mais j'ai si peur de faire le premier pas. Au fond de moi y'a cette voix qui résonne. Comment peut-on être encore de nouveau parmi les hommes? Je sens au fond de moi que le feu du boss s'éteint. Tu sais j'ai jamais publié de post chrétien. En comité restreint je suis à l'aise. Et ça m'arrive parfois d'être balèze quand il s'agit d'exhorter. Mais en public je chute de la falaise. Car la foi d'un notable crée le malaise. L'horloge fait tic tac, le Seigneur toc toc à nos cœurs. Car au fond de nos âmes c'est pas tip top. La fin du monde approche et même si je connais la tactique pour le salut, je suis trop gêné d'en parler sur TikTok. C'est l'heure de la mort à soi. C'est l'heure de la mort à soi. Je rêve de voir des âmes sauvées. Mais parler de sa part, en vrai j'ai jamais osé. Parce que j'ai trop honte de le faire, pourtant je suis bien disposé. J'aimerais tellement mais j'ai peur d'oser. Seigneur aide-moi à passer au-dessus de ça. Dépouiller l'au-delà, ramener les âmes à toi. Jésus le roi des rois. Tous les jours je rêve de voir les âmes sauvées. Seigneur aide-moi à le faire car j'ai jamais osé. Je dois renoncer à beaucoup de choses, à beaucoup de titres et privilèges, à beaucoup de clauses, à beaucoup de richesses criminelles, à beaucoup de faux, semblant pire encore, je dois diminuer, c'est beaucoup de trop, mon gars. Tous les jours j'enseigne au temple sacrifice, mais au fond de moi, je suis loin d'être prêt à lâcher prise entre la convoitise de maman et les gènes de Dieu. On peut pas suivre de maître à la fois, mais j'ai l'impression que j'aime les deux. Marre de jouer l'acteur, je veux être comme Wright B, être un adorateur. Et même si dans mes prêches je suis un bon orateur, je sais qu'au fond j'ai jamais prêché comme un vrai adorateur. Et tous les jours je rêve de voir des âmes sauvées. Mais si je passe pas à l'action, un jour je vais imploser. Alors je vais marcher sur les eaux maintenant sans peur de me noyer. Je suis pas parfait mais je suis prêt, Seigneur, tu peux m'envoyer. So let's go. C'est l'heure de la mort à soi. C'est l'heure de la mort à soi. Come on. Ah, il est venu pour toi. Yeah, car c'est l'heure de ton écho. La mort de ton écho. Yeah. Il s'agit juste de Christ. Lève-toi et va. Come on. Il a honte, il a peur, ne te retiendront. Oh oui, renonce à toi-même. Tu veux gagner Christ. Il faut que sa mort agisse en toi. Afin que sa résurrection, la puissance de sa résurrection, agisse aussi en toi. Come on, let's go. Tous les jours je rêve de voir des âmes sauvées. Mais parler de sa part, en vrai j'ai jamais osé. Parce que j'ai trop honte de le faire, pourtant je suis bien disposé. J'aimerais tellement mais j'ai peur d'oser. Seigneur aide-moi à passer au-dessus de ça. Dépouiller l'au-delà, ramener les âmes à toi. Jésus le roi des rois. Tous les jours je rêve de voir les âmes sauvées. Seigneur aide-moi à le faire car j'ai jamais osé. Laissez la mélodie s'il vous plaît. Je parle maintenant à toi. Le Seigneur m'avait dit tout à l'heure qu'il va oindre. Tu as un cœur, tu as envie de témoigner Christ, mais tu ne sais pas comment faire. Tu veux annoncer Jésus, mais tu n'as pas de courage. Ton cœur est disposé. Tu as mal quand tu vois les âmes malades. Tu as mal quand tu vois les gens se perdre. Tu as mal. C'est pour toi qu'il est venu. Je vais compter, je vais bientôt dire trois. Tu vas recevoir un téléchargement de la puissance de Dieu. Il va impacter ton âme à partir d'aujourd'hui. Il va impacter ton âme. Vous êtes au moins deux, au moins trois. Là où vous êtes rassemblés, il va impacter ton âme. Et il va impacter ton corps. Il va te donner une force surnaturelle. Tu vas broyer les serpents. Tu vas broyer les entités sataniques. Tu vas parler avec une autorité que tu n'avais jamais eu auparavant. Dans le nom de Jésus le Christ, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt?
Est-ce que tu es prêt? Lève tes mains maintenant et recevez l'Esprit du Seigneur. Recevez, 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 recevez. Il impacte ton âme, il impacte ton corps, il impacte ton âme. Est-ce que tu es en train de lever tes mains pour recevoir l'Esprit de Dieu? Il confirme sa parole en quelques instants. Il te donne la capacité maintenant. Seigneur, merci. Merci. Il est en train maintenant d'ouvrir les yeux de plusieurs. Tes yeux qui étaient fermés, reçois maintenant la grâce des visions. Reçois maintenant la grâce de voir. La grâce de voir et la grâce d'entendre. La grâce du prophète, plutôt la grâce du don de prophétie. Le don de prophétie. Le don de prophétie, reçois-le. Reçois-le, reçois-le, reçois-le. Vous êtes en ligne, recevez, 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 recevez la grâce. C'est pour évangéliser, c'est pour évangéliser, c'est pour témoigner de Jésus. Que ton cœur soit en feu, ton cœur en feu, ton cœur en feu, ton cœur en feu. Que des paroles de feu te saisissent maintenant. À partir d'aujourd'hui, tu parleras le feu. Tu parleras avec un langage nouveau. À partir d'aujourd'hui, tu es impacté dans ton corps, impacté dans ton âme par l'Esprit du Seigneur. Dis avec moi, l'Esprit du Seigneur. C'est une des manifestations du Saint-Esprit. Maintenant, je vous demande de rester silencieux. Personne ne parle. Esprit de Dieu, Abba Père, Nabarro Sebratakosa. Ils ont l'envie de témoigner. Ils veulent parler de Jésus, mais ils n'arrivent pas à parler de Jésus. Ils ont peur du qu'on dira-t-on. Ils ont peur du qu'on pensera-t-on. Ils ont peur de prier pour les malades, de chasser les démons. Et ils se disent, mais si ça ne marchait pas, maintenant, ô Esprit de Dieu, où elle est maintenant? Conformément à la parole que tu m'as donnée aujourd'hui, où elle est maintenant? Que ta main puissante se pose sur eux. Que leur langue soit embrasée. Que leur cœur soit embrasé d'un feu nouveau. À partir d'aujourd'hui, certains d'entre vous, en présentiel et en ligne, vous n'aurez plus la force de vous taire. Un feu sortira de vous pour parler de Jésus. Le Seigneur vous oint pour être des véritables gagneurs d'âme. Le Seigneur vous oint pour être véritables gagneurs d'âme. Dans le nom de Jésus, recevez cette grâce. Le Seigneur vous oint pour parler de lui. Maintenant, au nom de Jésus, recevez la grâce pour guérir ceux qui sont malades. Cette grâce, elle est libérée maintenant. La grâce de guérir, la grâce de guérir. Regarde tes mains, elles sont en train de chauffer. Regarde tes mains, elles sont en train de chauffer. Regarde tes mains, elles sont en train de chauffer. Tes mains sont en train de chauffer. C'est pas pour que tu t'enorgueillisses, c'est pour que tu guérisses les malades. Reçois cette grâce. Tout le monde ne chauffe pas les mains, c'est vrai. Mais toi qui chauffes, c'est parce que Dieu veut te confirmer qu'il te donne cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Parce que Dieu te fait briller, mais c'est toujours pas le Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, Dieu fait de toi un homme, une femme d'impact qui brille par la manifestation de l'Esprit du Seigneur. Si c'est toi qui as reçu, acclame Dieu par la foi. Fais ressentir des actions de grâce dans le nom de Jésus. Est-ce que tu es en train d'acclamer Dieu? Bonsoir à tous, je m'appelle Dimas et j'ai 33 ans. Ce matin-là, je m'apprêtais à aller au taf et sans faire gaffe, j'étais en retard, pas de chance. Ma femme se trouvait dans la chambre avec les gosses. C'était l'heure de l'école, elle rangeait leurs peignes et leurs brosses. Inébranlable avec mon air de catcheur. Spirituellement, je parais plus fort que ma femme, car sur ma vie, j'ai un appel de pasteur. Je lui fais souvent la leçon, car je trouve qu'elle prie pas assez. Et chaque fois qu'il y a une épreuve, pouf, elle est prompte à se lasser. Et moi je jeûne, je prie, je sers à l'église. Je suis le bras droit de l'apôtre Paul, du coup y'a personne.
personne qui me néglige. Et au boulot, je suis juste excellent. Mon salaire est étincelant. T'as le compte en découvert, le mien est trop souvent en excédent. Et quand je vais sur Instagram, c'est vraiment trop fort. Et j'en sens fortifié dans l'âme, parce que je suis tellement profond. Car j'ai un grand appel au ministère, un grand appel prophétique. Y'a que ceux qui manquent de discernement, qui sont trop sceptiques. Mais peu importe la famille, chacun sa grâce. Car Dieu élève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre, c'est ce que je veux. J'ai un appel des nations. Je dois voyager dans le monde entier et faire toutes sortes de bonnes actions. L'humilité, ça me caractérise. Car quand j'arrive quelque part, je me fais tout petit, tout au fond de l'église. Mais dans mon cœur, je sais que je les dépasse tous. Et si jamais ils me donnent le micro, ils verront que je les déclasse tous. Dans ma vie, j'ai pu avoir ce que je veux. Y'a que ma femme qui est pas la gloire de Dieu. Écoute, ça fait partie du package, c'est l'institution. De toute façon, avec la gloire, mais y'a les persécutions. Ce jour-là, je lui ai dit dépêche-toi, car on va être en retard. Elle me répond, t'inquiète pas chérie, je suis sur le départ. Je vais dans la douche pour ajuster une dernière fois mes contours. Et puis j'appelle ma fille aînée pour qu'elle me parle de son cours. La première fois, elle ne me répond pas. La deuxième fois, je lève la voix et j'aboie. Car après tout, je suis le roi. La troisième fois, elle ne me répond toujours pas. Alors énervé, je vais dans la chambre comme un loup-bas. Mais y'a personne, leurs vêtements sont par terre. Elles n'ont pas pu s'échapper. La home, je la connais par cœur. Mais qu'a-t-il pu arriver? Mais qu'est-ce que c'est que ce saccage? Je pense qu'elles veulent s'amuser. En fait, elles jouent à cache-cache. Soudainement, je crois entendre sonner la trompette. L'enlèvement est tout à coup le mot qui se met à résonner dans ma tête. Au dehors, j'entends des cris et des pleurs. J'entends des grands bruits d'accidents, des freinages d'urgence et des heurts. Alors j'ouvre grand la fenêtre. Au dehors, c'est la panique. Et je vois l'effroi dans les yeux de mon voisin Abdel Malik. Je vois des vêtements par terre, l'atmosphère est alarmante. Et je vois ses poussettes vides dans les mains de cette nouvelle maman. Je me dis que c'est sûrement un rêve. Il faut que je me réveille. Mais je suis comme prisonnier, car en fait, ce n'est pas un rêve, c'est bien du réel. Je suis confondu mais conscient en même temps. Qu'à cet instant, je viens peut-être de manquer l'enlèvement. Et puis c'est vrai, je comprends pas pourquoi ma femme a été enlevée. C'était moi le futur pasteur. J'ai prêché même en anglais. J'ai même évangélisé dans les centres-villes et les métros. J'ai délivré comme Moïse. J'ai conseillé comme Jéthro. Quand l'heure de prier sonnait, c'était ma femme qui restait couchée. Moi, je devançais l'aurore et je priais 3 heures sans me toucher. J'ai confondu en tout point. J'ai vraiment l'air d'un crétin. C'est quoi, je vais vérifier ça. Je vais appeler des amis chrétiens. Yeah. Yeah. On peut le servir sans l'aimer, prétendre sans avoir, faire le bien-aimé, prêcher sans y croire. On peut chercher les honneurs en prétendant chercher le Christ, ou juste des followers en criant Jésus sur un disque.
On peut servir Dieu et provoquer son propre naufrage, en prêchant la parole sans être son propre message. On peut prétendre avoir l'amour sans se mettre en peine pour son prochain, être sombre à l'intérieur mais sur la chair avoir l'air trop sain. Avoir du buzz au point d'être connu dans tous les états, mais à la fin Jésus peut dire qu'il ne te connaît pas. Car sur la terre t'as été faux, t'as fait le bon acteur, et t'as commis l'erreur d'aimer le don plus que le donateur. Telle est ma question, quelles sont tes motivations? Cherches-tu vraiment à faire pour lui des disciples dans les nations? Car même si dans toutes ces choses tu persévères, si t'as pas l'amour dans ton cœur, t'es juste un mercenaire, bro. Jésus-Christ nous l'avait dit, qu'il y aurait des loups dans la bergerie. C'est vrai qu'on a bien commencé, mais l'important c'est bien comment tu vas finir. Sois en fanfare avec le Christ, sans rempart plongé dans le vice. Choix est fait, mais j'ai besoin de ton aide. Aide-moi Seigneur, à pas perdre, et compassion de moi. Parle de ta miséricorde et souviens-toi de moi. Aide-moi Seigneur. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Papa, mon père, mon Dieu. On peut avoir un cœur éloigné de Dieu et l'aimer sur nos lèvres. Prêcher la bonne nouvelle en étant la cause de la mauvaise. Chercher à plaire à Dieu et s'y prendre de la mauvaise manière, en mettant d'abord le focus sur le don, l'appel ou la carrière. On peut percer jusqu'à brasser des masses, ou rester inconnu dans l'ombre et être emporté comme des masses. On veut accomplir la mission sans que Dieu nous ait soigné. Porter de grandes visions lorsque le cœur est voilé te fera finir comme Judas le soir du repas de notre Seigneur. Marchant avec Christ en ayant le diable à l'intérieur, voilà ce qui crée l'infirmité. Le fait d'être beaucoup plus spirituel en public que dans le secret de l'intimité. Pose-toi la question, quelles sont tes motivations? Prêches-tu la bonne nouvelle pour le salut de toutes les nations? Car même si dans toutes ces choses tu persévères, si t'as pas l'amour dans ton cœur, t'es juste un mercenaire. Si t'as... Jésus-Christ nous l'avait dit, qu'il y aurait des loups dans la bergerie. C'est vrai qu'on a bien commencé, mais l'important c'est bien comment tu vas finir. Sois en fanfare avec le Christ, on s'en rend pas plongé dans le vice. Mon choix est fait et j'ai besoin de son aide. À ma paix, à vivre pour ton plaisir. Moi j'ai la volonté mais pas la capacité. Chaque jour de ma vie, chaque fois que tu renouvelles le souffle.
Yeah. Si tu ne respires pas en moi, je ne vis pas. Si tout le monde va où tu n'es pas, je ne les suis pas. Parfois dans l'épreuve, je prends peur, mais je ne la fuis pas. Oh, vive sans ta grâce, non, je n'assume pas. Tu as donné ton fils unique pour moi sur cette croix. Du jardin à Golgotha, son sang coula sept fois. Ces bourreaux riaient, croyant recevoir leur part d'honneur. Mais cloué sur la croix, tu as crié pardonne-leur. Je ne peux pas imaginer ce que moi j'aurais fait. Moi à ta place, y aurait des morts et des tas de blessés. Mais tu as prouvé ton amour en ce que lorsqu'on était encore pécheurs, tu as donné ton fils unique qui à ma place a pris cher. Comment rendrai-je à Dieu l'appareil? Quelle sera l'offrande? Car aucun sacrifice ne plaît à Dieu autant que mon obéissance. Donc fais-moi vivre pour ton seul plaisir, que faire ta joie devienne mon seul désir. Père. Ton amour a devancé tous mes efforts de piété. Mais tu me vois au sommet. Lazare est sur son lit de mort, mais toi tu dis qu'il sommeille. Même dans les ténèbres, t'arrives à voir le soleil. Aide-moi à ne plus croire la voix du snake à sonnette. Avec mes propres forces, j'ai recherché la sagesse, sans réussir à m'éloigner de ce que les sages laissent. Mais quand j'ai commencé à croire au dieu de Proverbe 9-6, j'ai expérimenté le dieu des largesses. Faut que ma vie honore la mémoire du ressuscité. Que Dieu ne regrette pas de m'avoir suscité. Dieu m'appelle bon et fidèle serviteur, car bien avant les actions, Dieu se sert du cœur. Accorde-moi la grâce de croire que tu es Dieu, de ne jamais parler de ta part sans se parler d'abord tous les deux. Et si je dois déclarer ma flamme au Dieu de ma délivrance, fais-moi le dire dans le langage de l'obéissance. Bolingo, bolingo, ton amour a devancé tous mes efforts de piété. Je m'éloigne de toi, je me sens si vulnérable. J'ai l'air prospère, mais je suis si misérable. C'est une si grande responsabilité d'être exposé et de pas être en scandale pour toutes les âmes sauvées. Malgré mes défaites et mes luttes, tu m'aimes toujours si fort. Je suis tellement loin du but, mais t'es toujours si proche. J'ai pas la science infuse, ni l'art de pas me tromper. Mais à ta place, un gars comme moi, y'a bien longtemps que j'aurais déjà laissé tomber. J'ai pas vraiment ce que t'as vu en moi. Mais quoi que t'aies vu en moi, je t'en supplie, vis en moi. Ne me laisse pas vivre une vie où je suis en dents de scie. Une vie où je doute encore malgré la tonne de signes. Accorde-moi la grâce de croire que je ne te dégoûte pas. Car rien ne guérit la culpabilité aussi bien quand je t'aime, quand on ne le mérite pas. Éloigne de moi toute forme d'artifice et fais de moi le sacrifice. Bolingo, Bolingo, Bolingo. Ton amour a dénoncé tous mes efforts de piété. Je t'en
Hello sister, hello mama, hello grandma. C'est vrai que parfois, la promesse peut tarder comme le fils de Sarah. Mais éloigne les hagards du H de Abraham, car Dieu ne t'a pas, ne t'écroule pas. Et même si on te stigmatise parce que tu ne couches pas, sista ne bouge pas, sois fier de tout cela. Sois fier de dire ne me touche pas si tu ne m'épouses pas. Sois fier d'être has-been parce que tu aimes Dieu. Fier de perdre des sista parce que tu restes pieuse quand elle se dévergonde. Le torse bombé, le bassin cambré, prête à chuter à la vitesse grand V. Non ma petite sœur, tu vaux mieux que ça. Elles seront les filantes et toi tu deviendras la brillante star. Continue de croire en sa promesse, car être une vierge sage est un signe de noblesse. Hello sister, précieux cristal, Isha, non, ne te livre pas. Hello sister, précieux cristal, Isha, non, ne te livre pas. Yo, hello sister, hello mama, précieux cristal, woman Wanda. Hello Isha, on sort du même Dieu. Hello grâce, proverbe 18-22. Hello semblable, que personne ne te méprise. Hello Queenie, ma première église. Hello celle de qui est sorti le fiston, qui deux millénaires plus tard écrasa le piton. Hello les samaritaines, humiliées par la vie, qui ont eu cinq maris, mais qui ont gagné la Samarie. Hello les femmes de joie, devenues des femmes de foi, qui touchent son vêtement lorsque Moïse le frappe deux fois. Jugez l'apparence, c'est hors de question. À cause de Josué, demande aux deux espions. Nous sommes cachés en Christ et c'est lui qui fait barrage. Mais ce jour-là, le lieu secret se trouvait chez Rahab. Hello sister, yeah, sister, précieux cristal, Isha, non, ne te livre pas. Non, 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 ne te livre pas. Hello, hello sister, précieux cristal, Isha, ne te livre pas. Non, ne te livre hello pas, come on. Hello sister, hello sister, ne te livre pas. Non, 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 non. Hello sister, précieux cristal, ne te livre pas. Non, 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 non. En 2018, 10 jeunes ont été tués dans des rixes en région parisienne. Voilà, ils veulent faire les gangs comme à Chicago, je sais pas. Des groupes qui s'affrontent en pleine rue, à coups de barres de fer. Quel quartier sera le plus chaud? Quel quartier? Est-il possible d'empêcher ces affrontements? Faut lui répondre. Faut lui répondre lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre lorsque Dieu t'appelle. Parce que Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Salut la famille. Mon prénom à moi c'est Alpha. Dans la cité, je suis un caïd, je fais de la moula, donc grâce à Dieu ça va. Lorsque papa nous a quittés, fallait prendre soin de la daronne, alors je picrave dans la cité pour rembourser les casseroles que le daron avait laissées. Maman était à terre, y'a plus d'amour, je me sens délaissé. Dès lors, la rue devient ma mère, gamma, mon petit frère, me regarde pour voir ce que je vais faire. Mais y'a rien à faire, à part picrave, pour mon avenir y'a air. Après le cimetière, c'est la descente, dans la street zère, je fais des descentes, c'est la misère, mais on se défend si tu joues le fier. On te descend. J'ai croisé un mogor sur mon territoire. Il m'a manqué de respect, baston de regard. Et j'ai vu noir, balayette, gauche, droite, crochet. Toute une mise en scène, je l'ai monté en l'air. Ça
On imaginait qu'il finirait au ciel. Le Mogo a cané. Il s'appelait Bozo, il s'en est allé. Avant que Dieu ne le rappelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Ne pars pas trop tôt, mais repens-toi, Frollo. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre, faut lui répondre. Salut la famille, mon prénom à moi c'est Beta. Je suis le petit frère de Bozo, celui qui s'était fait pétard. J'ai appris pour mon grand frère et je suis prêt à aller en enfer. S'il le faut pour venger mon grand frère, j'en ai plus rien à faire. On m'a dit la vengeance appartient à Dieu. Mais rien à faire si jamais je les croise, malheur à eux. Jusqu'au jour où on la poucave, son blase est tombé. Ce sera la douche froide, pour lui la facture sera salée. J'ai pris le gun et je suis descendu dans son tiexon. J'ai croisé le Mogo et quand j'ai tiré, il est béton. Le Mogo a cané. C'était le fameux Alpha, il s'en est allé. Avant que Dieu ne le rappelle, faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Ne pars pas trop tôt, mais repens-toi, Frollo. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Salut la famille. Mon prénom à moi c'est Gamma. Beta n'était pas mon ennemi, mais je suis le petit frère de Alpha. J'ai vu Beta tirer, j'ai vu mon grand frère mourir. Alors comment pourrait-il s'en tirer? Sa vie je vais la pourrir. J'ai pris mes deux guns, j'arrive dans son quartier, cagoule, suite noire. J'ai croisé Beta, mais il a tiré le premier sur moi. Ça y est, je vais canner. Je voulais me venger, mais je vais m'en aller. Avant que Dieu ne me rappelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Ne pars pas trop tôt, mais repens-toi, Frollo. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Yeah. On a les mêmes 16, les mêmes textes, les mêmes mélodies, la même hesse, les mêmes tests. Mais on croit tous qu'on est des ennemis. Regarde bien la chose, on se tue entre nous. Toujours un œil dans le business de l'autre, on se flique entre nous. Wow. J'ai vu des frères se prendre des droites à force de faire les traîtres. Des coups de schlasse pour de vulgaires histoires de périmètre. Un noir tue un noir, un beurre tue un beurre, un noir tue un beurre. Mais au final c'est toute l'Afrique qui meurt. Wow. Mauvais œil pour le petit frère. Dorénavant c'est plus la 3D, c'est les bracos et les faits divers. C'est dangereux on le sait, mais peu importe on se mêle. Tout en sachant qu'à force de se monter en l'air, on peut finir au ciel. Y'a jamais de regret, on reste dans le vif. Jusqu'au jour où un de nos frangins il laisse la vie. À ce moment là, rien ne le remplace, la haine s'embrase. Un frère est mort tout ça parce qu'il habitait le tiex d'en face. Rends-toi compte de l'absurdité de nos guerres de thèse. Christ est mort pour nos libertés, nous on meurt pour nos bâtiments. Alors sors vite de cette ruse du diable et fais-le rapidement. À défaut de le défendre, t'es capable de construire des bâtiments. Essaie de faire les choses bien, de rendre fière la daronne. Tu sais que Jésus revient, alors il faut que tu pardonnes. Pendant qu'on se fait la guerre, nos mères sont unies dans la douleur. Afin que tout ça s'arrête, qu'importe ta couleur. Lorsque Dieu t'appelle, faut lui répondre. 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 Yeah. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Yeah. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Yeah. Lorsque Dieu t'appelle. Ne pars pas trop tôt, mais repens-toi, Frollo. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Lorsque Dieu t'appelle. Faut lui répondre. Faut lui répondre. Qui pourrait me juger? Qui pourrait me juger? Do you feel it?
Yeah. Oh, qui pourrait me juger si ma peine a été purgée, si mon casier judiciaire a été effacé, si le péché avait de l'avance, la grâce l'a dépassé. Ça sert à rien de fouiller mon passé. Mon ancêtre, c'est plus Adam, Christ l'a remplacé. Et je n'ai fait aucun effort, je me suis pas surpassé. C'est lui le héros, c'est sa grâce seule qui m'a surclassé. Je suis en mode challenger. Christ ne meurt pas, c'est lui le vrai Highlander. Toujours un verset biblique dans le baladeur. J'ai l'air chétif, mais face au péché, je suis un bagarreur. Ne traîne plus en bas des bâtiments. Va traîner à la church. Mon frère, ma sœur, t'as plus à subir tout leur châtiment. Car à Golgotha, pour toi, y'a déjà eu un meurtre. Fais le job malgré ta détresse. Christ a dit à Pierre qu'il fallait paître malgré sa faiblesse. C'est bien le choix de Dieu, détrompe-toi. Mon frère, ma sœur, depuis quand l'être humain ne tombe pas. C'est pourquoi Dieu a prouvé son amour. En sorte que lorsqu'on était pécheurs, il nous a fait la cour. De sorte qu'il envoya le Seigneur, faisant le contre et le pour. Car le billet pour Golgotha, c'était pas un aller simple, y'avait le retour. Yeah. Depuis ce jour pour l'ennemi, t'es le pire des souvenirs. Toi qui as reçu Jésus-Christ en tant que roi des rois. Depuis que sur toi sa gloire s'est levée, l'ennemi broie du noir. Parfois tu doutes quand tu entends ma voix. À cause du kick caisse claire, pour toi je suis hors la loi. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits et ça se justifie. Leur rap donne la chair de poule, le mien la crucifie. Aux yeux du Père je sais que j'en vaux la peine. Car chaque fois qu'on me fait la guerre, le Christ me donne sa paix. Prends garde car l'ennemi est rusé. Mais pas assez pour la sagesse du ressuscité. Mais ne sois pas dupe et ne joue pas les pieux. Caïn a tué son petit frère malgré la voix de Dieu. Je te donne la bonne formule. La foi, l'humilité, la prière, foi, la vie d'obéissance. Ça donne l'immunité. Christ est illimité. Si tu veux faire la diff, ne cherche pas la nouveauté. Car la nouveauté c'est toi, y'a pas de nouvelles clés. Sa parole est encore la même aujourd'hui. Faut imiter. Imiter ceux qui par la persévérance ont pu hériter les promesses. Malgré leur défaillance, leur faiblesse et leur passé gênant, grâce à la foi en Dieu, ils héritèrent sa noblesse. Qui pourrait me juger, qui pourrait me juger? 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 Qui pourrait me juger? Don't judge me. Don't judge me. I'm free, bro. Don't judge me. Pray my love is on its way. Don't judge me. Come on. Yeah. Si je ne devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Et si je n'ai pas leur gloire, je ne serais pas déçu. Et si je ne signe aucun autographe, je ne serais pas déçu. Car mon amour pour toi, Dieu merci, est au-dessus. Et si je ne passe ni à la télé, ni dans tous leurs médias. Si personne ne me connaît, tu me connais déjà. Si je devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Car ma plus belle victoire, c'est mon histoire en Jésus. Si je ne devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Et même si c'était le cas, tu resterais au-dessus. Car ce qui compte, ce n'est pas moi, mais que personne perde son âme. Car Dieu veut élever un peuple et non un personnage. Donc même si personne ne me follow, je ne serais pas déçu. Si pour ta gloire, je dois rester solo, je ne serais pas déçu. Et même si je n'avais jamais tous ces billets verts,
Et même si tu me retirais ce flot du millénaire, je m'efforcerais de rester le sacrifice, qu'importe ce que je ressens. Mon père est mort juste avant le culte, mais j'étais présent. J'étais en souffrance, mais j'ai imité le père de la maison. J'ai fait le taf en rendant grâce, en dépit de ma raison. Après ce culte, j'étais en larmes, mon cœur était si brisé. C'est ce même jour-là que j'ai tourné le clip, Igo, faut briller. Je suis sûrement le moins bon élève de tous tes orateurs. Mais je rends grâce, au moins je suis le mec assis au fond de la classe, des véritables adorateurs. Yeah. Parfois je me suis éparpillé, mais jamais je n'ai vu tes yeux s'écarquiller. Jamais tu ne m'as reproché, quoi que ce soit, même quand j'ai décroché. Je me sens comme Bartimée. Je serais pas déçu. Et même disqualifié dans ce monde, je ne serais pas déçu. Ce mois de juillet, la honte et l'embarras étaient ma phobie. Mais malgré ça, je suis quand même venu à la cérémonie. Je me suis réjoui avec mes frères et toutes mes sœurs choisies. J'ai refusé de rester amer, d'avoir le cœur moisi. J'ai supplié Dieu de me garder, c'était dur dans l'âme. Et Dieu m'a fortifié à travers Pasteur Juliana. Alors j'ai dit à Dieu, tue-moi encore si tu veux. Oui, tue-le-moi, tue-moi encore si tu veux. Père, fais-moi périr, Seigneur, où tu veux. Mais ma foi restera intacte envers le Fils de Dieu. Et j'ai dit mot pour mot, Saint-Esprit ne compte pas sur moi. Malgré tout ce qui m'arrive pour questionner tes bontés. Car aujourd'hui tu verras que malgré le fond du trou noir, je continuerai de proclamer tout haut ta fidélité. Parce que je t'ai prêté allégeance et tu m'as mis à part. Je suis prêt à perdre énormément s'il faut pour vivre ta gloire. À ce stade-là, j'ai vu beaucoup de gens abandonner. Car marcher avec Dieu, c'est pas la randonnée. Plusieurs ont tenté subtilement de faire de moi un rebelle. Mais j'ai préféré cultiver, garder le jardin d'Éden. Et je l'ai pas fait parce que je suis fort ou plein d'humilité. J'ai juste fait ce que j'ai observé, j'ai juste imité. Alors béni soit le Père pour mon église locale. Car sans ses enseignements, ce serait le vide total. Et je bénis Dieu pour tous ses frères et toutes ses sœurs en retrait. Pour tous ses assoiffés de Dieu qui paient le prix dans le secret. Des gens comme Destino, Jocelyn ou le roi Enoch. Comme Alain Cil, LK ou APJ à l'époque. Et j'en place une à mon petit frère, Mister Teddy Ted. Quoi que tu vivras, lâche jamais sa main car Jésus t'aime. En somme, Père, regarde mon cœur, je ne suis pas déçu. J'ai imité le Christ, j'ai vomi l'ange déchu. Toutes ces choses en fait au fond de moi m'ont repositionné. Sans le savoir, mon cœur a été auditionné. Et le résultat est le suivant, même si j'ai paniqué. L'esprit me l'a dit, le King m'a validé. Et je le sais car aujourd'hui mon cœur est différent. Entre désir et besoin, je fais la diff maintenant. Et si c'était à refaire, je le referais pas. De peur de manquer le coche et de me retrouver loin de toi. Oui, car pour t'avoir, toi, je suis prêt à perdre tout. Et si j'ai tout, tout sera à toi, car tu es le père de tout. Yeah. Aujourd'hui, je veux juste toi. Yeah. Aujourd'hui, je veux juste toi. Pas de titre, pas de position, pas d'ordination, pas de commission, pas de chèque, juste toi. J'entends ton cœur battre, alors je paie le prix. Afin que tous parviennent au salut, même mes ennemis. Et comme tu l'as fait avec moi, sans que tu me reproches mes fautes, je suis prêt à aller loin avec toi pour te rendre proche des autres. Fais que ma vie donne envie aux gens de t'aimer. Donne la vie aux enfants peinés. Yeah. Donne à tous tes fils de régner dans le couloir de leur destinée au nom de l'aîné. Et si je dois diminuer, si c'est ta volonté, afin que ton règne vienne, je le ferai volontiers. Car quoi qu'il puisse m'arriver, je ne serai jamais déçu. Car ma plus grande victoire, c'est d'avoir cru en Jésus. Yeah. Yeah. Si je ne devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Et si je n'ai pas leur gloire, je ne serais pas déçu. Et si je ne signe aucun autographe, je ne serais pas déçu. Car mon amour pour toi, Dieu merci, est au-dessus. Et si je ne passe ni à la télé, ni dans tous leurs médias. Si personne ne me connaît, tu me connais déjà. Si je devais jamais percer, je ne serais pas déçu. Car ma plus belle victoire, c'est d'avoir cru en Jésus. Yeah. Ready boy? Come on. Just
la fin de l'album. Rajoute la caisse claire, s'il te plaît. Oh, hi family, hi tata, hello mes frères, mes sista, hi papa. C'est déjà la fin de l'album, mais pas de la bataille. Donc rachetons le temps qu'il reste, car y'a pas le time. Fini l'impudicité, crucifions la chair. Et dans les chutes, cessons de justifier l'affaire. Laisse tomber les excuses et une vraie repentance, sans quoi tu risquerais de livrer même ta descendance. Car l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si tu lui tends le bras, il prend le corps. Ses plans sont évidents, que par toi beaucoup déshonorent le roi. Tu deviens la cause et la victime, et tu seras pris au piège. Un sentiment d'injustice te fera fuir le ciel. Tu t'en iras le cœur écorché. En vérité, j'en dis, tu t'es fait égorger. Ne cours pas le risque de faire le taf avec un zèle amer. Sinon tu feras le même taf avec un zèle à terre. Et parce que t'as pas pris le temps de veiller sur ton cœur, t'étais un zélateur, maintenant tu fais l'acteur. La fin d'une chose est mieux que son commencement. Aujourd'hui on fait trop semblant, regarde commencement. Mais j'avoue que c'est pas évident. Drix c'est la déclarée, la folie ou la foi. Y'a que le L qui les a séparés. Elle comme lion de Judas ou comme Lord. Elle comme light ou elle comme love. Seigneur, fais-nous vivre une véritable repentance. Aide-nous à croître à travers l'obéissance. Non, ne cherche plus à impressionner. Lui seul est impressionnant, il nous a missionnés pour faire en sorte que le monde crie son nom. Le seul nom qui a été donné, car quiconque invoquera son nom sera sauvé. Et si ma lumière brille dans les ténèbres, c'est seulement par la grâce de celui que je célèbre. Tout disciple accompli sera le reflet de son maître, car dans le miroir de la Bible, il voit le reflet de son être. Parce que parler de la Bible ne sauve pas, mais pratiquer la Bible dont tu parles te sauvera. Parce que l'apostasie est là, l'amour de Dieu s'est refroidi. On s'était dit les meilleurs vœux, mais ça sera deux fois pire. Pour celles et ceux qui n'auront pas le Christ, ou qui ne vivront pas l'enlèvement. Et si mon entourage m'éloigne de toi à cause du vice, je t'en supplie du milieu d'eux, je t'en prie enlève-moi. Je ne cherche pas la fame, mais je te cherche toi, le seul vrai Dieu qui a voulu de moi. Même quand je faisais n'importe quoi, tu es le roi de ma vie. Mais trop souvent c'est encore moi qui règne au fond de moi. Alors délivre-moi de moi-même, délivre-moi de moi-même. Yeah, on est tous concernés. Et si ta péché bro n'est pas honte de te prosterner, car comme Bartimée t'écrit, il les reconnaîtra. Et peu importe le poids ton mal, Jésus te tend les bras. Ne perds pas espoir, il est le roi des rois. Et j'ai une bonne nouvelle, Christ reviendra. Yeah, Christ reviendra. Yeah. Alors mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe ce que tu traverses en ce moment, ne lâche pas prise. Tiens ferme et accroche-toi à Jésus. Accroche-toi, car encore un peu de temps, et nous le verrons paraître sur des nuées. Et tous ceux que le monde a humiliés, tous ceux dont le monde s'est moqué, parce qu'ils avaient refusé de marcher par la vue, mais avaient préféré marcher par la foi, ceux-là seront ravis en un instant, en un clin d'œil, et nous serons auprès du Seigneur. Alors le monde dira de ceux-là qui étaient considérés comme les rebuts de l'humanité qu'ils étaient en réalité des génies, car ils avaient bien discerné. Alors tiens ferme, Jésus revient bientôt. Alors joins-toi à moi, et je me joins à l'Église épouse, qui unie avec l'Esprit disent une seule et même parole. L'Esprit et l'Épouse disent viens. L'Esprit et l'Épouse ne désirent pas plus le monde ni les choses du monde, car la plus grande récompense d'un adorateur, c'est le retour de son Seigneur, et c'est le cri de mon cœur. Alors toi aussi, tu as entendu ces titres, tu as entendu cet album, et tu ne peux pas arrêter de l'écouter sans Christ. Tu es venu sans le Christ, tu ne peux pas partir sans lui. Et tu as écouté aussi l'album, toi. Et tu connaissais Jésus, mais tu t'es éloigné. Fais juste cette prière avec moi. Jésus veut se réconcilier avec toi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur, mon propriétaire, et comme mon Sauveur, celui qui est le garant de ma vie. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Dans le nom de Jésus le Christ, j'ai prié. Amen. Amen.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Alors mon frère, ma sœur, si tu as fait cette prière, va sur www.b-writeofficiel.com et réponds au formulaire. Vous avez reçu le Seigneur en écoutant cet album. Vous vous êtes réconcilié. Car on veut prendre soin de toi. C'est ce qu'on m'a appris dans mon église locale. Et c'est ce que j'aimerais faire avec toi. Oh, je ne prétends pas que je serai ton conducteur, non. Mais je crois qu'on peut apprendre ensemble, toi et moi, main dans la main, à suivre celui qui est le véritable conducteur, le Saint-Esprit, à travers les vases qui s'est choisi. Et dont toi et moi, demain, pourquoi pas, on pourrait en faire partie. Alléluia. Wow. C'est déjà la fin de l'album. J'ai tout donné. Le vase est de nouveau vide. C'est peut-être le dernier album. Le dernier ou pas. Une chose est certaine, c'est que je vous aime. Mais Christ vous aime plus que moi. Yeah. C'était tout pour moi, merci. Maintenant à vous de jouer. De répondre à l'appel. 633, le Brave Album. Que son règne vienne.